On va aller piller, comme ça on va devenir rival avec lui et on va pouvoir aller lui péter la gueule. Un chancelier à 11, bah ça me va, oui. Oh, le roi d'Italie va perdre. Il a pris 900 troupes. Comment ça, il a pris 900 troupes? 700 de mercenaires. Ah oui, d'accord. Monsieur ne se refuse rien. Hein. Bah non, parce que je suis le plus bas vassal possible, donc ça marche pas. Ça ne marche pas, malheureusement. Puis en plus, on a des territoires avec juste deux. C'est vraiment risible. Hein. On n'a vraiment pas grand-chose. Faudrait que lui prenne la décision d'attaquer. Encourager les enfants. Ouais, là, ils ont deux petits gars. Je viens de perdre mon médecin de la cour. Alors, tuteur pour cet enfant. On donne le territoire volé, mais jamais. Je n'ai pas volé de territoire, je l'ai pris de plein droit. Ah oui, on est vraiment à chier sur plein de choses là. Yorvik va avoir du mal, hein. Contre ça, ça va être compliqué, hein. Si l'Angleterre se partage encore en deux, je dis pas. Ouh là, par contre, ça m'intéresse, grand tournoi du Jarl. On va y aller. On va plutôt choisir notre propre itinéraire, si ça te dérange pas. Allez, allons-y. Normalement, on devrait être bon. Le bateau, c'est plus cher, oui. Et si tu veux te déplacer, t'as meilleur compte à déplacer à pied, c'est là où t'as les meilleurs bonus. Non, non, on brûle la sorcière. C'est sympa. Ça crame bien. J'aime bien, ça baisse mon stress. Allez, il débute dans quelques jours. Ok. Ok. On peut... Non, bah non, on peut visiter des barons, mais c'est tout ce qu'on peut faire, quoi. On va faire pas mal de choses, hein.
Bracelet d'archer. Il y a l'expérience en compétition, moi je le prends. Le camp des tentes, 20 jours. On a le temps de faire pas mal de choses, hein, là, on l'a vu suffisamment à temps, c'est bien. On est quasiment à fond hein, sur les événements, etc. On a grande chance de réussir. Je suis assez content. Il y a 8 compétiteurs. Assister à un événement sportif parmi la foule peut être un véritable plaisir. L'atmosphère, les sons et la vue sont tout à fait distrayants. Mais cela peut aussi avoir autant d'inconvénients que d'avantages. L'un d'eux vient de se matérialiser alors que je me retrouve coincé derrière l'impressionnante carrure de Robert. Je me penche d'abord d'un côté puis de l'autre, mais sa haute et large taille m'empêche de voir quoi que ce soit. Je soupire bruyamment et tape du pied, mais Robert ne bouge pas. Des applaudissements retentissent alors qu'un événement spectaculaire se produit. Non, ça va. Il était trop grand pour moi. Oh, c'est beau ça. Et si je tire à travers le vent? Conséquence, vous touchez la cible. C'est beau ça. Je ne fais qu'un avec mon arc. 40%, 40%. 55%. Apparemment, c'est la victoire. 150 de gloire, 22 pièces d'or. Visé infaillible pendant 5 ans, vous recevez le prix, d'accord. Obtenu archer. Ok. Non, cool. Cool. Belle victoire. Puis on a reçu une bague. Bague prestige 0.04 par mois. Opinion de la part du conjoint plus 10. J'aime beaucoup. Alors, par contre, on a une guerre qu'on a rejoint. Qu'est-ce que c'est? Conquête comtale d'Agder. Faut qu'on aille là-haut vite fait, quoi. Allez, on a un commandant de plus, ça me va. Bonne fin de soirée, bonne nuit à toi, Falsac. Merci d'être passé. Repose-toi bien. Le problème, c'est qu'ils vont prendre notre territoire. Ma sœur est décédée, ok. J'ai pas spécialement besoin d'avoir de la renommée, donc. Il a pris des mercenaires, il a pris quoi? Non, il n'a pas pris de mercenaires.
Et il est en train de prendre leur territoire. J'aime bien ce qu'il fait. Parce que s'il arrive à prendre l'ensemble du territoire là, et Rogaland, ben en fait, sans faire de bataille, il aura gagné 100% du score de guerre. Et nous, en plus, on bloque ses armées, donc moi, ça me va bien, hein. Ça me va très bien. Voilà, on peut améliorer le port. Est-ce que ça va passer? Là, pour l'instant, on va avoir du mal à avoir des légendes pour nous, hein. En étant simple comte, ça va être compliqué. Oh, il va réussir à les poutrer, hein. Qui arrive à faire tomber ce truc-là, et après on est bien. Hein. J'ai encore de l'approvisionnement pour quelques mois, moins 10 par mois, je peux tenir 7 mois. Là, il lui faut 8 mois, bon, bah à la rigueur. Dès que l'Angleterre va se réveiller, ça va être chaud patate. Bah, l'Angleterre, là, est en train de bien se réveiller, 3700 troupes, elle est déjà bien. Hein. Après, il est possible que, à l'élection, là, ici. C'est une élection saxonne, le titre, donc ça risque de pas bien se passer pour eux. Et le titre de Pays de Galles risque de tout changer, donc. Ok, on reste bien approvisionné. Oui, il va y avoir 100% de score de guerre. Hein. Là, juste là où on s'est mis, on les bloque. Hein, parce qu'ils veulent pas passer par la mer. Là, le combat, on a trop d'avantages. On a plus 13 d'avantages sur le territoire. Ce qui est énorme. Les gens mangent de la viande cramée depuis des siècles, rien de dangereux. Pas plus. C'était une belle victoire. Pas évidente, mais belle victoire quand même. Qu'est-ce qu'on a là? 3700 troupes. Et là, 1600 troupes et il est en guerre. Guerre de tyrannie. Allez, on commence à piller.
problème, c'est qu'il faut arriver à prendre le territoire, mais comment qu'on fait, quoi? Le problème, c'est que si notre suzerain attaque, ça se passe pas bien. Si nous, on attaque, on va pas, ça va pas se passer bien parce qu'on n'aura pas assez de domaine de propriété. Devenir vassal de... Enfin, devenir indépendant de lui, oui, mais faudra avoir des alliés. Faut arriver à faire des mariages intéressants avec, mettons, Yorvik, par exemple. Un assassinat? Pourquoi pas? Je suis moyen fan, mais... Changer de suzerain, oui, mais non. C'est pas si simple que ça. Et lui, il est quoi? Non, c'est bien une tribu, sauf qu'il est pas sur une tribu en fait. Il est sur un château. Donc ça se passe pas bien. Hein. Et on a le Danemark qui vient nous piller. Je serais mort d'ici un an. Ah merde. C'est pas cool ça. Trouver un conjoint. Jarldom de Flandre. Egoafiki. Elle a 16 ans. Ok, pourquoi pas. Le truc après, c'est si les Norse se réforment, moi ça me va. Hein, si on arrive à réformer la foi, mais pour réformer la foi Norse, il faut quoi? Il faut posséder trois lieux saints. Il y a un moment, c'est compliqué, quoi. Parce que là, il y en a deux là. Il faudrait avoir celui-là ici. Peut-être là. Il m'en manque un. Il est où le 1, 2, 3, 4. Il est où le cinquième? Ah, c'est Kiev. Ah, ça va être compliqué, hein. Bah, pour l'instant, en fait, tributaire, enfin de tribu, ça permet d'avoir plus d'armées et d'être tout aussi efficace que des gens qui ne le sont pas. Mais avec le temps, ça sera mieux de ne pas être d'une tribu et d'être vraiment un suzerain, un seigneur qu'un chef de tribu, quoi. Et il a 1900 troupes, lui. Mais pourquoi mes enfants n'ont pas de tuteur alors que j'aurais bien mis des tuteurs? Bon, on va éduquer l'enfant, mais ça me fait chier, quoi. Ma sœur a réussi à prendre le Yarldom de Pinsk. Si elle décède, je vais récupérer ce territoire au fin fond du monde. Et elle a un peu 65 ans.
Parce que lui, il a un tendon. Non, il est moine, donc il y a peu de chances qu'il hérite de quoi que ce soit. On va hériter d'un territoire là-bas. Ça va être compliqué. Alors, on va mourir avant. Ok, il y a une guerre déclarée entre notre suzerain et lui. Parce qu'il veut récupérer Ross. Ok. Après, Moray. Ah bah, je suis mort. Ok, bon. Donc, chancelier. Ok. Bourgmestre, ok. Tu améliores ça. Jarl d'Homme de Pinsk. Ouais, mais ça, on est au courant. Le truc, c'est qu'il me faut un tuteur. Il me faut vraiment un tuteur, quoi. Bon, ben... L'ombre de la gloire naissante. Gain de stress, ok, prestige. Ok, bon, ben, on va lui faire un petit enterrement digne de ce nom, hein, notre cher père. Ok. Par contre, je suis héritier de quoi? C'est toujours cette femme. Ouais, je suis son héritier, hein, directement. Donc on hériterait de deux titres. Kletsk et Pinsk. Mais qui sont à l'autre bout du monde. Ouais. Enfin, c'est cool, mais... Et je suis toujours possiblement marié à cette femme-là. Non, c'est qui ma fiancée? Voilà, c'est cette jeune femme-là. Avoir un duché là-bas, non, c'est pas trop mon trip, hein, mais... Par contre, si le duché de royaume d'Alba s'effondre, on va en profiter, hein. Non, ça résoudra pas mes soucis, Ben Oben. Parce que je vais avoir plus de vassaux, enfin plus de comtés, donc ça va me poser un plus grand problème. Je vais perdre plus d'argent, etc. Ah mais elle pond des œufs, elle. D'importants nobles, bien trop nombreux pour être nommés, passent devant le corps enveloppé du chef Helgi, ne lui accordant qu'un simple hochement de tête, comme si cela suffisait à montrer le respect que l'on porte à une vie. Mon cœur est aussi lourd de souvenirs de Helgi que mes proches sont pleins d'objets. Mes poches sont pleines d'objets. Non, crame pas des objets, toi, fais pas le con. Je suis à combien? Ah, je suis à un plus 3 quand même. Hein. Non, non, fais aucun discours, te fatigue pas, gamin. Personne n'y croit. Hein.